L'association Al-Nahada pour l'aide et la sensibilisation des cultivateurs a lancé ses activités. La raison d'être de l'association Al-Nahada consiste à œuvrer pour la promotion du secteur de l'agriculture en vue de contribuer pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Tchad. La cérémonie de lancement des activités de l'association a vu la présence du secrétaire général du ministère des Productions agricoles, Abdelkarim Tidjani Koyiboro, Ali Mohamed Bello. Hier, c'était le bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, dénommé Émergence. Aujourd'hui, c'est devenu Association Al-Nahda pour l'aide et la sensibilisation des cultivateurs. Lancée officiellement ce mercredi, cette association œuvre dans le domaine de l'agriculture, un secteur clé pour le développement du Tchad. L'objectif est d'assurer d'une part l'autosuffisance alimentaire au Tchad et d'autre part améliorer les conditions de vie des producteurs. Al-Nahda a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire tchadien en apportant un soutien technique et matériel aux agriculteurs afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et améliorer la condition de vie des producteurs tant sur les aspects de la santé, de l'environnement, de l'assainissement et de l'éducation. Je citerai entre autres la sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques de l'agriculture en leur assurant des formations aux nouvelles techniques agricoles et à l'utilisation des produits nécessaires à l'accroissement des rendements. Le Tchad dispose d'énormes potentialités agricoles. Comme l'agriculture étant une ressource intarissable, l'association Al-Nahda voudrait accompagner les programmes politiques du président de la République, un programme dans lequel l'agriculture est priorisée. À ce titre, le secrétaire général du ministère des Productions agricoles informe que les objectifs de cette organisation cadrent avec la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le but visé par votre association, qui est de baser le développement économique du Tchad sur l'agriculture, épouse parfaitement cette option d'exploitation rationnelle de nos potentialités en question. Nobles sont ces objectifs. L'association Al-Nahda pour l'aide et la sensibilisation des cultivateurs compte 18 membres exécutifs. Ces jeunes sont disposés à combattre l'insécurité alimentaire au Tchad. Comme vous l'avez vous-même rectifié, la cérémonie de lancement des activités de l'association Al-Nahda pour l'aide et la sensibilisation des cultivateurs a été présidée donc par le secrétaire général du ministère des Productions agricoles, Abdelkader Tidjani Koyiboro.